Salut, c'est Zolink, bienvenue sur la VOD de la deuxième partie de Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo. On joue toujours sur Wii U et actuellement on va aller dans le troisième, dans le deuxième. Putain, pourquoi j'ai troisième? Avant de lancer la VOD, j'avais déjà le problème là. Dans le deuxième donjon, donc le donjon du désert, le donjon en dessous pour récupérer le deuxième pendentif qui nous permettra tout simplement à la fin du donjon de pouvoir récupérer les palmes aura grâce aux moufles du titan. Oui, j'ai révisé mon wiki parce que les noms je les avais plus en tête et sinon ça aurait été con parce que j'aurais appelé toutes les choses des bidules et tous les bidules des trucs. Donc ça a été fort peu pratique. Bon, Daré est actuellement sur le chat en bon modérateur, fidèle et corrompu. Et puis on va y aller de suite, tout simplement. Par contre j'ai pris un peu de dégâts. C'est pas la touche là. C'est X, donc il faut que j'aille à gauche. Le Zoï est épuisé, je viens de lire seulement le machin. Ça va faire un petit bout de temps qu'il est là, mais c'est pas grave. On descend et on est tranquille. Bon, j'espère que la VOD sera un petit peu plus longue. Merde, c'est pas par là, du coup c'est au-dessus. Mais ça devrait être fort potable. Fort bien. Viens là, crève. Et lui, je crois que c'est... Je sais pas. Ne me parle pas, laisse-moi tranquille, je suis un vieil original. Ne prends pas ma pancarte. Normalement, je peux pas défoncer ça avec ça. Cours dans les autres herbes, Zoï. Ouais, comme ça, j'irai capturer des Pokémon. Comment ça, je me trompe de jeu? Non, ça ira à la fin. Évitons de la gaspiller pour rien, voyons. Et vu que j'ai récupéré le livre, c'est parfait en fait. Que les plantes te chatouillent, il est parti. Mais je ne suis pas un nain. Aïe. Je ne suis pas un imposteur. Ah putain, ceux-là ils vont me faire chier. Je ne suis pas un imposteur. Pour t'ouvrir un chemin, fais une prière, elle sera exaucée. J'aimerais que les pierres bougent, s'il vous plaît. Ça marche. Le mec qui fait semblant d'être surpris. Bon, par contre, dans l'histoire, j'ai que deux cœurs. Deux valides et la moitié d'un. Et bien sûr, ça va être le donjon de la purge parce que je vais rager. Donc ça va, je ragerai moins que sur l'opus NES, hein, parce qu'au moins la partie, elle se supprimera pas. Merci, Recall Box. Bon, ça doit être un problème de mon côté. J'ai dû bidouiller un mauvais truc, c'est fort probable. Comme d'habitude, je bidouille, ça marche plus. Je mélange. On va arrêter avec ça. Ah non, c'est pas par là. Alors, on va éviter de croiser son regard, même s'il a de beaux yeux. Évitons de prendre des dégâts pour rien. Ouais, comme là, complètement comme là. Évitons de prendre des dégâts pour rien, j'ai dit. Merde, c'est pas la bonne touche. C'est là que je voulais prendre. Oula, c'est la galère, on dit donc pour le Zoï. Ouf. J'aurais pu prendre mon cœur. J'aurais pu, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. On va dire que c'est juste parce que je suis mauvais. Bah. Tu as le plan, certain pour voir ta position et le reste du donjon. Appuie sur le bouton X. Ah, ouais, faudrait que je fasse ça, hein. Regarder la carte, ça changerait d'habitude. J'aime bien, alors la licence de Legend of Zelda, je pense que ça semble logique vu mon pseudo. Je l'apprécie, le faire tes mains. Mais j'ai jamais utilisé les cartes. J'adore galérer quand j'étais plus jeune. Du coup, on va commencer à prendre l'habitude là. Parce que sur le puce Wii U, Switch, Swat, Breath of the Wild, il faudra souvent garder la carte. Merci à Apple Software Update, je m'en fous de ce que tu fais. Tu fais un peu laguer ma VOD et je te remercie pas du tout. Par contre, vu que j'ai les flèches... Putain. Voilà, comme ça, ça fait déjà ça. En moins, dégage. Dégagez, bande de malpropres, voilà.
on se fait agresser, hein, mais voilà. Donc je vais aller à droite, enfin en bas, puis à droite. Histoire d'avancer un petit peu plus loin. Et bien sûr j'ai pas la clé, et je parie qu'elle est à gauche. Aïe. Par contre il y a un passage là, donc on va le prendre. Voilà, on pète tout ça, comme ça on récupère des cœurs, hein, on est tranquille. Bien sûr, il me faudra les moufles du titan, là, je parie. Non, c'est plutôt, en fait, c'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre. Donc voilà, si je reste dans son champ de vision, je prends du dégât. Donc on va faire gaffe, on veut éviter. Parce que ce serait con, hein, ça fait mal de prendre du dégât et c'est pas bien pour la santé, tout simplement. Par contre, les flèches, j'en veux volontiers. Putain, c'est esquive. On va passer en bas? Non. Putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça. Alors, foiré! Dans le dos! Et je fuis, hein, je réfléchis pas. Voilà. On va y aller à gauche. Faut qu'on n'y a pas été, hein, tout simplement. Par déduction. Par une déduction infaillible. Aïe, bordel. Ça fait mal! Zoï, c'est moi, Sarasasapalapalapala. Tu dois retrouver impérativement les trésors de chaque donjon. Merci, je savais. C'est bon, le sable rentre pas trop dans les chaussures. Non, ça va. C'est des bottes qui montent à peu près jusqu'aux chevilles, donc au-dessus des chevilles, donc ça va. Et vu que le sable, il est pas très important, on va dire. Il y en a que trop peu pour que ça rentre réellement dans mes boots. Ça va. Ça devrait complètement aller. Par contre, j'avoue que ça, c'est pas bête. Bien sûr, je prends tout ce qui est possible à prendre. On ira prendre ça après, parce que je... On fait le tour. Parce que voilà. Sachant qu'après ce Zelda-là, je m'occuperai de Super Mario World. Et ensuite, je m'attaquerai à ce bon vieux Zelda Ocarina of Time. Comme ça, je le finirai au moins une fois dans ma vie, ça sera bien. Après Majora's Mask, après je m'attaquerai au opus sur Game Boy, donc Link's Awakening, Oracle of Season, Oracle of Age, voilà, Minish Cap. Ça fait beaucoup de jeux mine de rien, mais je vais au moins faire tous les Zelda un jour, et puis les faire en live, ce sera une bonne occasion de les faire. Alors, si je me rappelle bien, il y en a qui font pousser. Je me rappelle mal, hein, mais. À moins que c'est tout. C'est tué. Ah, la boussole. Ah, bah oui, j'ai même pas lu le texte, tiens. Ouais, et c'est la grande clé. Tu as la grande clé. Elle ouvre les verrous que les petites clés ne peuvent ouvrir. Mais je n'ai pas l'accent. Je ne sais pas rouler l'air. Tristement. Ah, faudra que j'apprenne les accents, tout ça. Inch'Allah, faudrait que j'appelle. Le mec, il a dit Inch'Allah, il tient sa vie. J'aurais dû prendre le cœur, tant pis. Voilà. On passe, hein, on est tranquille comme ça. Sachant que bientôt, d'ailleurs, tu peux donc déverrouiller le verrou du cœur des gens. C'était pas le bon endroit. Non, c'était au-dessus, je crois, en plus. C'était totalement au-dessus. Le con, vu que... Oui, c'est là où je veux en venir. La chose qui est bien, c'est que je pourrais bientôt stream des jeux GameCube. Parce que je vais, spoiler, je vais recevoir un boîtier, au secours, je vais recevoir un boîtier pour stream les jeux sur Wii. Merci à Brozen d'ailleurs pour l'info, au final, parce que lui aussi s'en a acheté un pour ses propres streams. Il m'a donné son avis là-dessus, même si je crois qu'il a pas encore pu vraiment tester en live, mais au moins il a testé de son côté.
Comment? Et ça fait de la plutôt bonne qualité. Du coup, je pourrais stream des jeux GameCube et Wii sans passer forcément par la Wii U. Bien sûr, pour les jeux sur Wii, par contre, je vais passer par la Wii U parce que ça me semble quelque peu plus pratique vu que c'est de l'HDMI directement. Enfin bref, je vais pas vous parler technique réellement, mais en gros, ça va être assez drôle. Tu as récupéré le gant de la puissance, tu dois ressentir la force dans tes mains. Tu peux ramasser et porter des pierres maintenant. Et grâce à ça, on pourra avoir les palmes d'or. Et oui. Et oui, et oui. Donc en fait, ça va être très fun. Donc mon projet de vouloir faire tous les Mario Kart, bah là, ça pourra se faire sans souci. Sauf le Mario Kart 7, bien sûr, qui est plus casse-bure parce que la 3DS, tout ça, et un boîtier de capture 3DS coûte cher. Même si quand j'aurai le PC adéquat, je pense que c'est ce que je m'achèterai ensuite. Après la Switch et le PC du coup. Et merde, c'est pas par là. Ah, je suis mauvais en orientation quand même. Bon, ça va, après j'ai des faits si jamais je crame. Tu les auras dans le cul. Exact. Donc ça fera plaisir, ça fera plaisir. Faut que j'aille en bas. C'est en bas. Hein. Tu vois, en bas, ça. Ouais, en bas, il y a une sortie. Il est pareil, hein? Il n'y a pas qu'en orientation. Oui, bon, hein? Je te rappelle que je te mets une tôle à Mario Kart, hein? Non. D'ailleurs, la VOD, elle est sortie mardi. 2. Ok. 3. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis, c'est pas. Par contre. Non, ça fait rien. C'était au cas où que ça faisait quelque chose, on sait jamais. C'est bien ce que je me rappelais. Ça fait 2 fragments de cœur, hein. C'est déjà bien, c'est vraiment déjà bien. C'est vraiment déjà bien, oui. Oui, bonjour, je suis Zogling, je suis français, je dis de la merde. Allez. On va rentrer, du coup. Dans la deuxième partie du donjon, du jongon, du méco sur ton front. Ah, c'est celui-là, putain. Ils sont chiants avec les ennemis. Oh non! Voilà. Je me rends compte que t'as laissé la zik en fond. Sérieux? Ah merde! Fuck my life. T'as la dalle. On attend, hein. Je vais pas perdre de la vie inutilement, ça sert à rien. Comme ça, je vais en profiter pour boire. C'est bon, je peux sortir? Non, bah, la clé dans le premier pot. Allez! C'est de la chatte ou c'est pas de la chatte? Je vais arrêter d'utiliser cette expression, ça fait un peu trop beau. La luck, voilà, la luck, c'est mieux. Oh, c'est... Space Invaders, ah bah complet, c'est juste une tête de mort là par contre. Badabam, badabam. Badabam, badabam, badabam. Ah par contre, il me voit pas derrière le machin. Non, il me voit pas. Oh le bâtard. Oh le salaud! C'est chiant! C'est jamais, hein, y a peut-être un truc. Ouh, ça a croisé les flux! Putain, aïe. J'étais en train de me faire get wrecked, ça. Voilà, comme ça, on passe au-dessus. On est tranquille. On a rien oublié. Faudra que j'aille d'ailleurs dans le sanctuaire à nous. Pourquoi ça pue du vent? Voilà, on reste là. Faudra que j'aille à nouveau dans le sanctuaire, histoire de récupérer ce que j'ai pas récupéré la dernière fois. Parce que j'avais pas les bombes. Et puis voilà. C'est Starling. Ah bah, faut croire. Badabam, badabam, badabam. Badabam, badabam, badabam.
Badabam, badabam, badabam. En tout cas, ouais, je risquerais de faire tous les Zelda. Par contre, là, je crois que c'est un Space Invaders. Ou une tête de mort. Ouais, je risquerais de me faire tous les Zelda, de sûr. Y compris tous les Mario 3D. Donc, j'exclus automatiquement New Super Mario Bros. U Deluxe, je crois. Et puis c'est tout, je crois qu'il n'y a que celui-là que je m'exclus parce que, enfin, c'est pas réellement de la 3D en tant que telle, la façon dont je la parle. Des jeux platformer 3D tout simplement, comme Mario 64 ou Mario Sunshine. Mario Sunshine qui va me faire sale et qui va me rendre salé d'ailleurs. Ah ça j'espère que tu as hâte d'arrêter de me voir salé à ce point, hein, parce que ça va être le cas. Parce que c'est hors de question que je le fasse à 100% celui-là. Je tiens trop à ma santé mentale. Hein. Je crois qu'il faudra à peu près une centaine d'heures en live, sans rire, pour le faire à 100%. Je pense que Thibaut, il pourra acquiescer hein, sur ça. Et on va se faire le boss. Donc, the boss, on va prendre l'arc, parce que je m'en souviens. Ah non! Mais je m'en souviens. Est-ce que je m'en souviens? Normal, le sel, c'est à la plage. Ah bah, complet. Hein. D'où il y en a trois, par contre. Est-ce que je peux le toucher avec une flèche ou non? Par contre, je sais pas si ça fait du plus de dégâts ou non. Donc, je vais continuer. Je vais essayer. Par contre, moi, il me fait du dégât. Et peut-être que je ferai les Zelda sur DS, j'y pense. Donc, Spirit Track et Phantom Hourglass. Vu que sur Wii U, tu peux émuler, du coup, les jeux DS. Bon. On va arrêter. On va prendre... ça, ça, parce que ça, parce que ça fait un peu plus de dégâts, je pense. Ça fait largement plus de dégâts. Donc on va continuer comme ça. C'est dommage qu'il n'y a pas les Pokémon d'ailleurs sur Wii, même pour à émuler. Mais bon, ça peut se comprendre d'un côté. Ça peut complètement se comprendre. Voilà. Peut-être qu'un jour, si j'ai putain, j'ai plus bon. Si j'ai la motive et que j'arrive à choper une carte de capture 3DS, je me ferai peut-être un Pokémon dessus, genre Pokémon Diamant, Pokémon. Merde, c'est quoi les noms? J'ai pas fait Pokémon Noir et Blanc d'ailleurs, donc ça pourrait être pratique. Mais voilà, il y a plein de jeux, il y a vraiment plein de jeux que j'aimerais faire. Mais en tout cas, la priorité c'est sur les Zelda du coup, Mario. Et enfin 3D du moins, là c'est 2D parce que c'est les premiers et que ça passe dans l'univers, on va dire, dans la continuité. Mais sinon ouais, juste comme ça, au moins déjà ça en premier, et après on verra ce qu'on fera après. Yay! Et du coup on a chopé un autre pendentif. J'aime bien parler d'un sujet en étant totalement pas concentré dans le jeu. C'est totalement ma façon de fonctionner ça. Par contre je peux soulever les pierres maintenant. Donc ça va être fort pratique. Ça va être fort fort pratique. Par contre je vais aller là, je sais plus ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pendentif, eh oui. C'est là où tu pends tes cheveux. Putain, il y a un vieux ici. Ton épreuve t'a rendu plus fort, le sang du héros doit couler dans tes veines. Il sert à quoi lui? Non mais True Story, il sert à quoi? Je suis juste un vieux PNJ qui sert à rien. Attention, je vais lancer Discord, notification. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai perdu 36 FPS, mais c'est pas grave. Et t'en fais pas, Freddy, si jamais tu regardes la rediff, ou la VOD ou autre sur YouTube. Ce n'est point grave. Pam 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 pam. Par contre là au-dessus du coup je pense que... ouais. Pour y aller il faut... il est là pour faire chaussi. Ah bah complet. Mon avis il est là pour comment... ah! Pour aller au-dessus il faut le miroir pour aller dans le monde alternatif. Et bien sûr, ici il y a les rubis illimités. J'irai ici pour me refourguer en rubis entre chaque VOD, histoire d'être tranquille et pas trop de me péter, m'énerver disons à récupérer tout le temps des rubis.
Donc là, ce sera plus simple et ce sera rapide. Allez, bouffe ça. Le crabe, il est gentil, il m'a pas fait de dégâts. On va le laisser en vie. Donc maintenant, on va aller chercher les palmes Zora. Je crois que c'est 300 rubis de tête. Bah, je pourrais passer en boomerang rouge aussi. Alternatif. Aïe, 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 les jeux de mots d'arrêt sont d'une qualité. Sont d'une qualité. On peut les voir juste là. C'est de la qualité, messieurs. Messieurs, dames, c'est de la qualité. Pam, pam. Voilà. Monte. Ouais. Donc, il faut que j'aille à droite, en haut. Ah! Ce qui est bien, c'est que... Faut que j'y pense, absolument. C'est dès que j'aurai un champignon dans la forêt... Les bois perdus, en gros, là où il y a Excalibur. Là, je pourrais être vraiment tranquille et avoir la poudre magique qui me permettra du coup de transformer des choses, d'avoir un peu le jeu en mode facile. Transformer les abeilles en fées, par exemple. Ce qui n'est pas dégueu. Ça, par contre, je vais dans le premier donjon. Donc, on descend, on tourne à gauche et on monte. Tu vas aller plus vite avec le champi. Ah bah, c'est sûr, je vais aller plus vite. Hein. Ouh. Je vais être... Aïe! Merde, aïe. je vais être complètement aïe, ça fait mal. Yeah. Mais tu t'es pris pour un CRS de me tirer dans le dos comme ça, toi? Allez. Par contre, je perds vraiment de la vie très très rapidement. J'ai hâte d'avoir une cote de maille un petit peu plus adéquate, on va dire. Voilà, hop, on balance. Mais j'y pense, si j'ai une boîte de capture jeu 3DS, je pourrais aisément faire du coup Zelda A Link Between Worlds. Peut-être même faire les remakes. Tiens, ça pourrait être drôle. Vu que je vais les faire de toute façon sur N64, si je chope le boîtier de capture avant, bah je les prendrai sur Kikwat. Ok. Je pourrais peut-être les faire avant et en meilleure qualité. Adéquate. Ah putain. Par contre, je peux pas aller là parce que si je vais dans l'eau. Voilà, je prends du dégât parce que Link il sait pas nager. Link, il lui faut des palmes pour nager. Chica fait quand même peu. Hein. Alors, par contre, dans l'idée, je sais plus. J'ai esquivé la flamme, mais j'ai pris du dégât. Par contre, les auras, ils ont géchant quand même. Sachant que j'ai jamais vu l'animation des auras comme ça en fait. Surprenant. Ils font limite de la peine. J'avoue que j'ai de la peine de les tuer comme ça. Ouais, mais ils l'ont cherché aussi. Je sais pas que c'est pas là-bas. Ah, c'est le chemin du milieu, c'est toujours le chemin du milieu. Bah, au moins c'est en ligne droite. Non, c'est celui d'en bas. Je hais ma vie, je peux pas passer par là. Non. Je hais ma vie. Mais c'est pas possible, mais c'est de la merde, ça pue du cul. Bah, je les caillasse au moins juste, hein. Je les tue pas. Je suis pas non plus un enfant de salaud. Le mec qui parle mal de suite. Aïe. Alors, quelle voix va-t-on lui faire? Qu'est-ce que tu veux, petit? T'as quelque chose à me dire? Et je veux des palmes, monsieur. 500 rubis! Tu fous ma gueule! Mais je donne pas les palmes gratis, je les vends 500 rubis. La paix, hein, que décides-tu? Bah, je paye, hein. La paire de palmes vient. Et en prime, je te laisserai utiliser les canaux magiques qui relient les lacs et les rivières. Quand tu verras un tourbillon, plongy, qui sait où tu réapparaîtras. Allez, crache-moi ça là, Yael, connard. Tu as acheté les palmes Zora. Elles vont te permettre de nager même en eau profonde. Ouais. Ouais. Bah oui, la paire de palmes. Voyons, de suite. Hop. Hop. Voilà, comme ça maintenant je sais nager.
Comme ça, on va pouvoir récupérer le boomerang rouge, je crois. Pam 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 pam. Point 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 point. Et de toute façon, si je dois rechercher des objets et que j'ai carrément zappé leur localisation, je regarderai sur internet, hors live bien sûr, pour être sûr et certain de les avoir. Tout simplement. C'est pas celui-là que je voulais lancer. Oh, c'est cet objet que tu as jeté? Oui. Je te le rends alors, ne le jette plus. Pardon madame, je voulais lancer le boomerang. Parce que je sais que ça revient automatiquement. Aïe aïe aïe, par contre je suis pas bien placé, voilà. Je suis pas du tout bien. Plouf. Et si on balance un bocal, et ben dans ce bocal il y aura de la magie. Et oui. C'est cet objet que tu as jeté? Oui. J'aime les gens honnêtes, je vais te donner quelque chose de mieux en échange. Un boomerang rouge, sa maman. Ça va être génial, sa maman, mon dieu. Oh mon dieu. Voilà. On va utiliser ça, ça nous amènera plus vite à un endroit. On va aller, j'ai assez de rubis. Non, je crois pas. Ça nous a amené où? Ça nous a amené totalement là où je voulais que ça nous amène. Parce que justement, il paraît qu'il y a un objet sacré caché ici. Enfin, selon le vieux Sarasasasabada. Donc on va voir. Par contre, j'ai fort impression... Non, non. Je croyais qu'on allait pouvoir passer en fait là-dedans. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. C'est les choses qui arrivent, hein. On croit tout et rien, et au final, bah y a rien. Ouais. Peut-être au-dessus. Le vieux Saras. Oui, possible. C'est possible que ça soit ce que j'ai dit. Je sens que c'est un truc à la con. Plus ici. Alors si c'est le bâton de glace, je rigole, parce que... Ah non, c'est défait. C'est tout? Parce que avoir le bâton de glace à ce point de level... Je peux rien pousser. Donc c'est pas ça. C'est un truc à côté. On va voir. On va complètement voir. Et j'ai pas de bombe. Ah non mais je me hais. S'il vous plaît, droppez une bombe. Ah putain. Ah je me hais d'avoir tout utilisé pour rien tout à l'heure. Bah, s'il y a une bombe là, mais je peux pas la déterrer. Vie de merde. Oh non. Oh c'est parfait. Oh le, la RNG qui est avec moi. La RNG qui est complètement avec... Non, c'est pas le bon bouton. Celui-là. C'était con de ma part. Ah. Et c'est le bâton de glace. Et en fait, c'est une arme, je crois que c'est pas utile pour l'instant, mais on peut l'utiliser maintenant. Ça fait un bâton au moins à prendre, parce qu'il nous faut aussi le bâton de feu. Et le bâton de la vérité, je crois que ça s'appelle. Faut que j'arrête d'appuyer sur les boutons de pif. Donc on descend. Bah ça va, et en vrai, on avance bien. Je veux dire, on avance même très très bien. Oh putain, le pré-shoot. Ah, ce pré-shoot de ces morts, bordel. Je veux aller là, à la maniabilité, à la chier. Bon après je joue avec le stick et non avec les flèches directionnelles. Hein, donc.
Alors j'avoue que c'est pas du tout là où je voulais aller. Je voulais aller, c'était en dessous du banc à droite. Donc on va retourner là-dedans. Si j'y arrive. Putain, allez, allez, allez. Mais non, mais... Non mais je galère, mais non. Mais non, l'humiliation. Je me fais humilier par un... Pas un tourbillon, quoi. Fait chier. Normalement, il y a peut-être un... Ouais, là, je peux faire escale, je peux faire escale. Mais en vrai, ça sert complètement à rien. Par contre, quand j'aurai les moufles du titan, ici, ce serait intéressant. Je peux peut-être grimper. Il y a pas un... aussi. Si. Normalement, il y a un truc, là. Il y a un truc de ouf, là. Par contre, ouais. Là, il y a un quart de cœur que je pourrais seulement obtenir par la suite, comme d'habitude. Et donc normalement le pont au-dessus, celui-là, est fort très intéressant. Parce que tout simplement, il y a un bocal. Voilà, tout bêtement. Par contre, t'as combien de cœur toi? Putain, il m'a mis cher. Donc il faudrait que j'arrive à descendre. Est-ce que je peux pas déjà descendre? Non. C'est un peu plus loin. Par contre, si c'est vachement loin, c'est des putains. C'est sérieux, mais c'est loin, mais c'est Ashine. C'est pas grave. On avance même très bien, hein. En 30 minutes on a fait un donjon. On va récupérer deux objets. Non, mais franchement c'est honnête. C'est complètement honnête. De toute façon il nous reste une heure de live à peu près. Un petit peu plus, un petit peu moins. C'est largement. On va réveiller ce clodo. Oh Zoï, t'as l'air mal barré, mais c'est tout ce que je peux te donner. T'as pas une clope, s'il te plaît? C'est le flacon magique, tu peux y conserver un objet pour l'utiliser plus tard. Ouais. Pardon. J'ai honte d'avoir fait cette voix-là. J'ai complètement honte d'avoir fait cette voix-là. Par contre, ouais, c'est chiant de devoir refaire tout le chemin à pied. En SF, effectivement, il dort sous les ponts. Ah bah, en plus il a sa tente. Et je lui prends son bocal, il me donne un bocal. Je viens le faire chier pendant qu'il dort, je lui donne rien, mais lui il me donne quelque chose. On appelle ça du racket, monsieur. Link est un racketeur. Bon, par contre la barre de vie là qui me fout un petit peu les boules. Maintenant on va aller à la montagne de l'amour. Non, pas de la mort, de l'amour, hein, de la mort, je parle. Voyons. Soyez honnête un petit peu. Ta-ta-ta-ta-ta. Point, 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 point. On va arrêter de faire le kéké, hein. C'est pas parce que j'ai des faits que je dois en profiter. Attends, vu que j'ai récupéré... voilà, c'est ça que je veux. Dégage. Vu que j'ai récupéré les moufles du titan, est-ce que je peux pas les récupérer autre chose? Je peux aller là. Oh merde. Je peux aller récupérer autre chose normalement au village Cocorico. What? J'ai provoqué un bug, j'ai pas rêvé. Attends. Attends. Quoi? Ok, non, bah non, je pensais pouvoir refaire le truc là. Ok, bon bah j'ai trouvé un bug. Je sais pas comment l'exécuter, mais... Pas de soucis, le jeu. Peut-être que là-bas, non. C'est con à dire, mais peut-être que là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être réellement quelque chose d'intéressant. Ah mais non, là, il faut le marteau. Il faut complètement le marteau. Tant pis, c'est pas grave.
On va aller à la montagne de la mort, mais juste avant, je voudrais retourner au village Cocorico. Je pense que j'ai peut-être quelque chose à faire, à récupérer là-bas, que je pouvais pas avant parce que je n'avais pas les moufles du titan. Les moufles du titan, les gants de puissance, pardon, les moufles du titan, c'est au-dessus. Je me trompe dans l'expression des os, pas des os. Y'a quoi ici? Non. Même si je pourrais totalement tricher avec mon principe de safe state, on va éviter. Là, c'est pour avoir là. Pardon, putain, je digère bien, dis donc. Là, le quart de cœur que j'ai récupéré au live précédent. On récupère un petit peu, ça fait plaisir. Ça fait zizir. On va retourner là-bas. Peut-être quelque chose. Même avec des bombes, hein, parce que si je peux pas récupérer un truc avec des bombes. Bon, tant pis. Bon. On va aller à la montagne de la mort, de toute façon c'est tout là-bas. Je connais encore à peu près la map, donc ça va, ça aide. Faudra que j'aille ici, par contre par la suite, je crois qu'il y a un truc de forgeron. Je crois que c'est justement là où il y a la maison des forgerons. Après je dis peut-être de la grosse chiasse, ce qui est fort probable. Parce que je ne connais pas non plus le jeu sur le bout des doigts, mais disons que... Vu le bug que tu as eu, ah bah tu m'étonnes. Voilà quoi. On va prendre le boomerang. Hein. Je crois que le boomerang, en fait, il a juste une portée un peu plus longue. Enfin, je récupère aussi l'espèce de d'ocarina flûte. Très bien, ce serait complètement bien. Il n'y a rien dans les autres. Ouais, là, à gauche, c'est pour aller dans la forêt maudite. Là, c'est fort probable. J'ai clippé à analyser. Oh. Par contre, si je dois aller là-bas, j'avoue, je sais pas comment. Je pense que l'on peut dire... Oh mon dieu, il fout la hype. Peut-être voir l'intérieur, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant... Non. Non, largement non. Bon, ok, je vais pas laisser de chance par contre là-haut. Au meuble. Oh boy, une mystérieuse brume est tombée récemment sur la forêt. Soyons prudents. Attention monsieur Grenier, la pelouse est mouillée. Mais... Et par contre, ton sprite, il bouffe de la place, toi. Toi aussi. Hein. Ce n'est peut-être rien, mais cet arbre semblait étrange quand nous l'avons coupé. J'ai essayé de faire la voix de Monsieur Garrison, et au début, j'ai remarqué qu'elle faisait un petit peu raciste. Genre, fausse voix chinoise asiatique. Des os, pas des os, c'était pas voulu. Pewip. Et bien sûr, un niveau dans les caves. Je suis habitué des caves, mais quand même. On sait jamais. Hein. Au moins, ça me renvoie au début. Ça me fait pas perdre de temps. Enfin, si, ça me fait perdre du temps d'avoir pris le mauvais chemin, mais c'est pas grave. Par là, par là. Ok, là, il y a un vieux. Je regarde s'il y a quelque chose. D'ailleurs, j'avais appris très récemment qu'en gros... durant ce développement de Zelda Link to the Past, à la base il devait y avoir trois mondes. Le monde de la lumière, le monde des ténèbres et un troisième monde où qu'il y a justement des petits vestiges à droite à gauche dans le jeu, et y compris les trous qu'il y a dans cette cave. En gros, théoriquement elles auraient dû servir à ça. Je ne te connais pas, mais si tu vas à la montagne, emmène-moi avec toi. J'ai perdu ma lampe. Pas de soucis. Tom, 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 tom. Attention au trou! Va tout droit et regarde bien où tu mets les pieds, jeune homme. Vas-tu aussi à la montagne à la recherche du pouvoir d'or? Un peu plus loin, il y a une montagne pleine de monstres. Beaucoup de gens ont disparu dans cette montagne alors qu'ils recherchaient le pouvoir d'or. Je ne veux pas te démoraliser, mais il faut être dingo pour se les entraîner dans une quête aussi folle. Non, pas par là. Ça me fait rire, c'est que je peux pas courir trop vite parce que sinon lui, il peut pas me rattraper. C'est pour ça qu'on a l'impression que je trotte. Hey, tourne à droite ici, tu sais, j'ai une petite fille de tournage. Le roi l'a amenée au château. Elle n'est jamais revenue. Enlever des jeunes filles doit faire partie du dessein du sorcier. Je pense qu'il s'agit des pouvoirs que les jeunes filles descendant à cette sage possèdent. Merci, vieux dont je ne connais pas l'identité, qui me raconte toute sa vie parce que tout simplement, il est vieux et il a besoin de raconter sa vie. Hein. C'est pas quelque chose de triste ou autre, hein. C'est la vie. Il se trappe. Oui. Les jeunes filles disparues sont encore en vie. Le héros les sauvera sûrement. Il me tarde de voir ce jour. Mais j'ai trop parlé.
Allez, merci de ta bonté envers le vieil homme que je suis. Prends ceci. Si tu butes dans un téléporteur magique, jette un œil dans ce miroir. Et voilà. Il t'a donné le miroir magique. C'est un beau miroir bleu et transparent. On a l'impression qu'il va nous absorber dans un autre monde. Faut que j'évite de trop forcer ce soir avant. Sinon, c'est impossible, ces gerbes. Et donc, en gros, ça me fait un point de sauvegarde ici. Donc, c'est cool. Avant d'aller dans le monde des ténèbres, si j'ai assez d'items qui me permettent, j'irai farmer de mon côté, bien sûr, toujours. Hein, parce que pour le let's play, faut qu'on fasse un truc correct, quand même. Les cœurs, aussi. Les rubis et les cœurs. Parce que les cœurs, ils m'en valent beaucoup, hein, surtout dans le dernier donjon. Le monde des ténèbres. Oui. C'est des ténèbres. Aïe. Je passe par là, je passe par ci, je passe par ci, je passe par là. Yalali, yalala, et là je tombe dedans. Je crois que j'ai pris le bon chemin. Putain, oui. Bien sûr, on va à gauche. Cette grotte ramène à la lake, aboutit au village de Cocorico. Merci. Oh non, pas cette grotte. Oh, ça va être la grotte de la purge. La purge essence. Ou toi. Ouh, ah bah tiens, c'est vrai que j'avais zappé le boss du donjon. Merci, ça me permet de me rappeler, jeu. Ça me permet d'être préparé à me fail comme un gros enfoiré. Et bien sûr, ils sont insensibles au bourrin. Fallait s'en douter. Fallait complètement s'en douter. Il n'y a pas une histoire comme quoi... Je sais plus. Je vais éviter d'extrapoler. On va remonter, on va éviter de faire des conneries, on va aller directement dans le donjon, hein, pour éviter de mourir comme un caca et de devoir refaire une partie du chemin. Donc il est pas loin, je crois, le chemin. Et voilà. À partir de là, on peut atteindre le monde parallèle. Et on va être un lapin. Et bien sûr, je peux pas utiliser les items. Parce que, fuck la vie, voilà, sauf que normalement si je me TP là, ça me TP directement sur le cœur et je peux récupérer le fragment. Je peux aller en bas et là il y a le dungeon. Si j'ai pas de conneries là-bas, soit il y a un quart de cœur, un monde pas halal. Ah bah oui, complètement. Par contre, si j'ai le bouquin là, ça me fait pas récupérer une sphère, non? Lève Excalibur et tu obtiendras la magie de l'éther. Ah bah je l'ai pas. Donc il me faut Excalibur. Hein. Avant tout. Ok, nos sous-seuils. Au moins, j'utiliserai la deuxième fée. Non, j'en ai utilisé qu'une, je crois, encore. C'est pas grave. Et ça va, c'est la première mort depuis le début du jeu. C'est bon, hein. Voyons. Ah ouais, à ce point-là. Je vais voir, normalement, je peux peut-être récupérer un truc là-bas. À moins qu'il me faut le grappin. S'il me faut le grappin, je vais arrêter de courir. Non, il me faut le marteau. Et le marteau, je crois que je l'ai... Pas maintenant, pas du tout. C'est pas grave. On avance bien, on avance très très bien même. On avance très très bien et on est au troisième donjon. Un des donjons que je n'aime pas du tout. Parce qu'il est chiant. Le mec il se plaint là, mais... Après il aurait une raison de se plaindre, le con. J'espère que t'as clipsé ça d'arrêt au moins. Ah putain, et j'ai... Oh, et puis j'ai trois flacons. Je suis con. Du coup, oui, je pouvais récupérer une fée. Le con. Ah, l'abruti. Voilà, ça va direct, hein, comme ça, c'est tranquille. Un monde parallèle. Ah oh, putain, je viens de comprendre ce qu'il avait dit. Oh là là. Les oeils à retardement, quoi. Chier.
ça c'est la salle du boss, by the way. Je crois qu'on va passer comme ça. On va aller directement en bas, hein, comme ça on sera tranquille. Bien sûr c'est pas le bon. Donc là c'était la salle du boss. Au moins on sait où qu'elle est, on est tranquille. Ah par contre c'est vrai qu'il s'immobilise pas quand tu leur balances le truc à la gueule, tant pis. Au moins j'ai récupéré la clé. C'est tranquille, c'est tranquille. On a récupéré pas mal de choses, déjà. Juste la clé, mais c'est déjà pas mal pour le donjon. Voilà pourquoi le boomerang est essentiel. Zoï, c'est moi. Ça, l'ancien. Un conseil, dans le donjon, jette un coup d'œil au miroir magique chaque fois que tu veux revenir à l'entrée. N'oublie pas cela. T'as le mec qui m'observe quand même, hein. Je veux pas dire. Il a peut-être raison finalement, mais... Tu as le plan, certain pour voir ta position et le reste du donjon. Appuie sur le bouton X. Big Brother. Ah mais complètement, c'est réellement Big Brother, hein, là sur le coup. Sarah sera, c'est pas là. Sarah sera là, normalement, c'est... De toute façon, je l'ai marqué correctement dans le titre de la vidéo, hein, donc... Enfin, même dans le titre du live. Oh fuck. Un pixel trop loin. Badabum badabum. Badabum badabum. Ah, je suis chiant. C'est chiant. C'est complètement chiant. Faudrait que je me mette un peu plus droit quand même. Hein. Je pense pas du tout à un gonneur pour voir le son. Ah merde! Ah merde! Par contre, là, je suis mort. Ah non, j'ai encore une fée! Oh, c'est cool. Par contre, ouais, mon truc, il fonctionne pas, là, du coup, sur ce level. Du coup, je vais devoir être stratégique, utiliser mon intelligence. Oh mon dieu. Comment vais-je faire? Eh, putain. Putain, il me reste deux cœurs. Et j'ai plus de feu dans les flacons, bien sûr. Chier. Aïe, je suis la tristesse. Non mais sérieux, ou s'il se dirige vers moi automatiquement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en fous de la magie. Je m'en fous. Il est tellement fort. Quoi? Attends, quoi? Non mais... Faut de la vie, et de la vie. J'ai besoin de la vie parce que je vais mourir et je fais de la merde. Et la grande clé, ouais. Mais attends, tu sais quoi, j'ai envie limite de me suicider sur le coup. Parce que sinon ça va être impossible. Par contre, je crois que j'ai fait toutes les salles déjà. J'ai fait toutes les salles. Il reste plus que les salles du dessus. Ça va être la merde, ça va être complètement la chiadasse. En fait, j'ai cru que... La clé! Et the key! The big key. Chier. Deuxième mort. Sauf que là, c'est une mort légite. Enfin, une mort légite. En gros, j'ai survécu les autres fois, donc c'est pas considéré comme des morts. Là, c'est la véritable première mort. La petite mort, eh oui. Elle était là depuis tout ce temps. Oh le con. C'est ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Arrêtez! C'est pas ce que je voulais faire!
Ah bah c'est simple d'un coup pour eux. Ah, dégage. Comme ça, hein, c'est plus simple. Voilà. Tranquille, hein. Surtout qu'en fait, je ricoche à cause de leur connerie. Qu'en fait, ouais, soit je me foire avec eux. Je suis sûr que c'est une grosse connerie que je viens de faire. Je suis complètement sûr que c'est une grosse connerie. Oh putain de merde. Puis en plus. Oh putain, baby. Surtout que tu peux pas vraiment prévoir leur trajectoire. En fait, tu peux la prévoir, mais vraiment à la comment ? Quelques secondes avant que ça te touche, bien sûr. Mais sinon, c'est quasi impossible. Je suis trop habitué au jeu qui m'aide en fait. Bonjour. Et la boussole qui nous sert maintenant à rien quasiment parce qu'on est à la fin du donjon. Je sais pas quel objet par contre on chope dans le donjon là. Quel objet spécial du moins. Ça coûte cher par contre pour tuer quelqu'un. Faut que j'aille au-dessus, Est-ce que si je touche ça, ça fait quelque chose? Ok, faudrait que je tombe là-dessus. Ok. Donc j'ai remis comme ça pour être sûr. Donc on va éviter de faire le con et de rechanger ça, hein. Parce que ça peut être ultra utile. Oh putain, mais ça va être tellement de la... Oh la luck que ça va être. Ah déjà, toi tu viens. Il faut que je touche 2, 3 fois de plus. 4, 5. Ouais, faut que je tue. Par contre. Donc on va pas trop faire le con. Si j'ai pas de conneries, ça devrait être là. Ça devrait être complètement là. Si je me suis trompé. Mais que dis-je? Mais je dis de la merde. Attention, le cerveau du Zoilink est en train de fumer. Parce que c'est une énigme. Attention, et je m'en souviens plus. Énigme à la con. C'est en gros. Mais je peux pas descendre plus bas. Je vais tenter, hein. Je vais monter un peu plus haut pour être sûr. C'est la salle du boss. Bah non, on va aller récupérer d'abord l'objet. On va essayer de faire l'énigme, on va essayer de la comprendre. Moins que... Je vais tomber encore plus bas avec ces conneries, mais c'est pas grave. Alors je vais être sacrément con quand même dans la vie de tous les jours. Puis j'en suis sûr, c'est une réponse à la con. De toute façon, je suis mauvais. Mais... I'm sure about this. J'avais juste foiré. Je trouve la perte de lune la protège de roi des effets changeants du pouvoir d'or. Ah, ça par contre c'est pratique. Et je comprends pourquoi c'est pas un objet à récupérer systématiquement pour combattre le boss. Mais c'est pratique, c'est fort pratique. Bon, on va combattre le boss maintenant, le boss le plus chiant pour moi qui était même sur la version 3DS de Zelda. A Link Between Worlds, donc la suite en gros spirituelle de celui-là, voire la suite canonique, je crois. Et canonique, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça. On va bien s'éclater. J'aurais pu, par exemple, utiliser les pots pour récupérer des objets, mais je l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Avec la musique de la panique, quoi. Sachant qu'en plus, c'est très complexe parce qu'il faut toucher sa queue. Faut toucher sa queue, éviter qu'il me touche le... Alors, des fois, ça peut être un magnifique combo, hein. Par contre, j'avoue que là, il me faudrait peut-être...
canonique. Ah bah oui, complet. C'est quand tu niques Canon. Les fans de DSLR comprendront. Il me faut des cœurs. Il me faut définitivement des cœurs. Des rubis, ça par contre, hein, je crache pas dessus. On soit d'accord. Parce que ce boss, il va me rendre malade. Voilà, pourquoi j'étais sûr qu'il fallait que je l'active, ça. Canonique. Et oui, il me faut des cœurs. Oh, c'est mignon, il me fait un cœur. Il a fait un cœur. Voilà, il a fait un cœur juste là. C'est mignon. C'est tout mignon, c'est adorable. Badabam, badabam, badabam. Badabam, voilà. Et si c'est que des cœurs, on va éviter les gaspillés. Ce serait con. Pardon. Parce que je crois qu'en plus que ça le reset au niveau de la barre de vie. Donc faut vraiment être paré. Bah c'est une façon comme une autre, t'as raison. Ouais, faut que je shoot moi-même quoi. Ah, par contre, il y a juste sa tête qui me touche. Ça, je me rappelais pas. Oh le... Putain. Non, non. Alors, cette tête de concentration que j'ai dû avoir... Et on a un cœur de plus. Ça nous en fait 9. Et on a le troisième pendentif. On va aller récupérer Excalibur. Et on va s'arrêter là pour le live. Ça fait une heure. Ça fait pas plus que ce que je comptais. C'est dommage. Mais bon, hein, la fatigue, tout ça. Et puis c'est beaucoup de stream en une journée. pour moi. Pour vous, ça change rien pour la VOD. Hein, mais voilà. Vas-y, récupère. Vas-y, frotte. Allez, Cendrillon. Fais pas ta pute. C'est parfait. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas d'intéressant. Je crois qu'il faut le grimpin, là. Il faut complètement le grimpin. Attends. Ouais, ça marche pas ici. Faut vraiment qu'il y ait une faille dans le... Non, ok. Pas de soucis. Bon. C'était sûr. Ah, les cailloux, ah bah, j'aime bien les cailloux, hein, bah je vais en manger tous les jours. Bah, si je monte, ça me permettra d'aller directement au village Cocorico par le petit chemin. Donc on va le prendre. Désolé, j'ai un truc dans l'œil. J'ai une poussière dans l'œil, bien sûr, hein, c'est chiant. Et on verra. On verra pour prendre Excalibur. Caillou. Et oui, c'est caillou! J'arriverai pas à faire la même voix que Trophy sur ça. Par contre, j'avoue que l'espèce de luminosité qu'ils ont incorporée là pour Link, c'est juste magique. Quoi. Le pire, c'est que je réfléchis, je sais même pas comment ils ont pu l'implémenter. Ils ont mis un canal alpha ou quelque chose du genre. Il sert son but avec beaucoup d'ambition. Ah bah oui, d'ambition. Eh putain, je galère. Eh oui, les cailloux sont là juste pour défoncer la gueule. Et son but c'est de te niquer. Ah mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord, je suis full d'accord. Comme les trous qu'il y avait là dans la montagne, hein, c'était le seul but que ça avait, c'était de me niquer la gueule en fait. Papapapam, papam, papapapam, pam. Une solution comme une autre. Putain. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Et c'est le coup du bonjour français. Le but des trous c'est niquer, oui. j'ai honte, tu me fais avoir honte, Darai, voyons.
Par contre, s'il vous plaît. Je sais plus à quoi ça sert là. Y a pas un genre un coffre, truc comme ça. Un quart de cœur. Et ça fait un cœur de plus, ça en fait 8. Ça fait 8 cœurs. C'est quand même, c'est pas mal hein, en vrai. Et petit, c'est de planquer à nous les bandits. Non, pas sans permission, l'un de nos complices est à l'entrée du désert. Et je peux plus forcer sur ma gorge comme avant, c'est génial hein. Et moi qui adorais faire des petites voix comme ça à la con, je peux plus trop forcer. Par contre le champi il est où? C'est surtout le champi que là je cherche à voir. C'est un petit peu un labyrinthe hein, ici, mais bon. Voici le champi. Ça, normalement, je suis quasiment obligé de le trouver. Ce champignon a l'odeur douceâtre d'un fruit pourri. Tu peux le donner à qui veut. Sélectionne et appuie sur le bouton. Regarde. Rentre pas chez, sinon un de mes potes est dans le désert. Mais oui, complet. Ah, je crois que je l'ai. Ouais, c'est parce que je l'ai mal dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, mais pourquoi? Je sais pas. Yaaaah! C'est de Lilia, donc je peux. Triomphe du héros, la veille du cataclysme. Trois symboles de vertu obtiendra. Excalibur retrouvera. Préservant la pureté de la lignée des chevaliers. Oh mon dieu, c'est beau. Oh putain, j'ai cassé le truc. Oh, je me. Soudain, Sarasla te contacte par télépathie. Zoï, c'est merveilleux que tu aies trouvé Excalibur qui fait battre en retraite le démon avec cette épée étincelante. Je pense que tu peux dévier les pouvoirs diaboliques du sorcier. Le destin de cette terre est entre tes mains. Je t'en supplie, Zoï. Ouais, Excalibur. Ah oui, attends, c'est quoi ça? Attends, je crois que c'est le vieux en plus. Zoï, allez, les gars du sanctuaire! Ah, je me fais péter la boule! Non, pas les cheveux, pas les cheveux! On va aller sauver des gens? On va aller sauver des gens avant d'aller dans le monde alternatif et de se barrer de ce live. Pas mon boule! Pas mon boule! Pas mon boule! Merde. Et je parie que c'est pas le bon choix. Donc plus que ça. Non, c'est bon, je crois. Bon. Pas par là. Le sanctuaire, c'est. Ah, c'est en haut. Et à droite. Ça va, ça va. Et en vrai, on est à 8 heures, on a bien avancé. Non, mais c'est ultra. Je suis pas allé au bon endroit. Mais je suis un abruti aussi. Ah non, faut pas que j'aille au sanctuaire, faut que j'aille voir directement au château d'Hyrule. Mais je vais d'abord aller au sanctuaire pour récupérer les objets. Et on ira au château d'Hyrule à la prochaine VOD. Au prochain live du coup pour Darae qui est là à commenter. Qui est soit dit en passant, pardon, vendredi. Parce que Yobo. Par contre, ici, il n'y avait pas un truc. Non, c'était l'autre, je crois. Ouais, je crois que c'était au-dessus. C'était largement au-dessus. Je crois qu'il y a un passage, justement. C'est là où qu'on peut obtenir, justement, les choses. Justement, dans la grotte. Putain, c'est vrai que j'avais ce pouvoir. Voilà, c'est ici. Par contre, je sais même pas ce que c'est. Et un fragment de cœur, ok. Hey, par contre, on a chopé l'équivalent d'un cœur quand même au niveau des fragments là durant ce live. C'est quand même vraiment, vraiment classe. J'ai oublié que j'avais le sort là par la suite. Je crois que c'est peut-être dans le cimetière aussi. Je suis teubé aussi. Ouais, je crois que c'est dans le cimetière que je peux récupérer. Peut-être au-dessus là. Je sais plus. Mais je crois que je récupère un objet par la suite au cimetière. Ah, parce que maintenant que j'ai les bons. J'en ai 3, ça devrait faire l'affaire.
comme ça, j'éviterai de me faire emmerder. Dégage. Voilà, comme ça on va récupérer beaucoup de rubis. Sincèrement, il y a beaucoup. Des cœurs. Ouais, ça va. Des bombes. On connaît le speech. 300 rubis, l'équivalent des palmes Zora et 10 flèches. Voilà, c'est honnête, hein. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ouf, pas pour les 300 rubis. Mais c'est honnête, c'est honnête. Oui, je répète l'autre chemin, parce que voilà. Ça, c'est un grave le pif, hein. J'ai eu l'animation de courir et en même temps de tirer le machin. Ah, par contre, le vieux il est mort. Zoe, tu l'as raté d'une minute. J'ai échoué, Zelda, les soldats l'ont enlevé. Ils l'ont sans doute emmené dans la plus haute tour du château, dans la plus longue contrée du monde. Tu dois la retrouver avant que le sorcier n'accomplisse son sortilège et la sacrifie. Je t'en supplie, tu es notre seul ex. Par contre, pourquoi ils ont tous le syndrome de mon oncle là, à disparaître comme ça? C'est peut-être le principe dans Zelda, en fait ils disparaissent. Enfin voilà! On va s'arrêter là, tout bonnement. You know what? On va pas s'arrêter là. On va aller se faire le château. On va aller jusqu'au monde alternatif, je l'ai dit tout à l'heure, on le fait. De toute façon, maintenant j'ai mon épée cheatée là. C'est Shinobi. Ah mais c'est des Shinobi complets là sur le coup. Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon chemin. Non, c'est totalement le bon chemin. Par contre, est-ce que je peux passer par le devant du coup? Pas sûr. Hein. Si, je peux, je peux. Je peux toujours, je peux toujours. Donc maintenant, faut aller en hauteur. Tout simplement. Tam 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 tam. Dégage. Dégage. Non mais oh! C'est opportun! Et vu que j'ai Excalibur, maintenant je peux tabasser un passage qui était jusqu'à présent inaccessible. Soit ça, parce que l'épée Excalibur repousse le malin. Tout bêtement. Ta gueule, c'est magique. Donc là, normalement, on va se friter contre Aghanim bientôt. Piou, piou! Ah, mais large. Par contre, je crois que cette épée, elle fait exactement... Enfin, l'espèce de cercle magique que j'envoie avec l'épée, ça fait exactement les mêmes dégâts que l'épée, justement. Donc, c'est assez cool, c'est assez cool. Ah, il a employé de ses chevaliers, lui. Aghanim, le sorcier. Tam 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 tam. Par contre, il y a peut-être une ROM hack que je ferai après. Je sais pas si je la ferai après ou autre. Mais il y a une ROM hack qui est sortie de Zelda Link to the Past. Qui a l'air super intéressante. Elle est en anglais, donc je ferai la traduction s'il faut. Mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool et je réfléchis encore si je la fais ou pas. C'est comme les ROM hack Super Mario 64. Vu que c'est un petit peu un level au-dessus. Peut-être que je les ferai un jour, peut-être que je les ferai maintenant, je sais pas. On verra, déjà je finis ce let's play, après on verra bien. Ce let's play, pardon. Ah putain, mais je rame du cul. Voyons. Putain, je me fais flipper en fait avec la charge de travail que je me fais tout seul en fait. Ah mais non, je veux mon pouvoir. Give me my power back. Il y a Undertale aussi, faut que je... Oh là là, faut que j'arrête. Je vais me démotiver. Et si j'ai pas de conneries, la clé est là-dedans. Putain, et j'en ai marre de digérer seulement là.
Mais c'est de la triche, j'ai plus mon pouvoir, give me my power pack. Ah mais je peux vous abandonner, bah je le fais. Par contre ça va être un peu pétbulant si je les vois pas à chaque fois. Ça va être complètement pétbulant. Je vais prendre ça. Je vais défoncer celui du dessous si je peux récupérer au moins deux cœurs. Voilà, bon c'est une possibilité, c'est pas un fait. Putain. Et une fée! J'ai récupéré une fée, j'aurais pu la conserver, mais au moins j'ai récupéré une fée. J'ai récupéré beaucoup plus de cœurs que prévu. Bon, j'en ai perdu aussi dans le processus, mais c'est pas grave. J'ai tout récupéré, donc c'est bon. Le bâtard. Lanterne, toujours. Ad vitam aeternam. Oui, je m'a parlé latin comme ça, y a pas de soucis. Papapapam. Non ! Ça va, ça m'envoie pas en bas. Par contre, ça m'a fait perdre un cœur. Ça, c'est fort peu pratique, du coup. Que je perds mon... I lost my power. Par contre, ça a ouvert la porte d'en bas. Est-ce que en bas, j'y étais? En bas, mais je suis con, en bas, c'est longtemps. C'est la porte d'entrée. Par contre, je me fais des petites frayeurs, là, aller dans les bords. Je me fais complètement des frayeurs. La 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 la. Putain l'enfoiré, il me préchote en plus hein. Voilà, bon, j'ai la clé, j'ai pas ce que je voulais exactement. Mais c'est déjà ça. Minecraft squelette, oh, mais complet. Récupère de la mana, c'est pas dégueu. Je pense que ça sera ça, c'est qui parle. Écoute-moi bien, même avec... Voilà, on va lui donner cette voix maintenant. Même avec Excalibur, tu ne peux infliger aucune blessure au sorcier. Je trouve un moyen de lui envoyer son propre pouvoir magique. J'avoue que là, je sèche. Voilà, comme ça, je peux tabasser. Tranquille. J'ai envie de lui mettre une flèche dans le dos, mais ça ferait trop CRS dans l'idée. On va éviter. On va complètement éviter. S'il vous plaît. Voilà, comme ça, toi tu crèves. Une armure miroir. Non, ça n'existe pas dans le jeu, de ce que je me souviens. La fatigue commence à se lire sur mon visage. Je la sens très bien par contre là. De toute façon, après ça, hein, je finis, hein, c'est prévu. Hein. Non, mais stop! Par contre, j'aurais peut-être une chance d'avoir un cœur et de lui défoncer. Non, tant pis, je vais lui défoncer sa race comme ça. Je me moleste. Je le moleste dans un coin. Voilà. Par contre, j'ai pas eu cœur, du coup, je pourrais pas faire de dégâts à distance. Par contre, je monte bien haut dans la tour là. Ouais, peut-être pas l'arc. Je pense que j'en ai peut-être besoin. Bonjour. Ok. Ah. Putain, et ils font mal en plus ces enfants.
J'oublie le boomerang, j'oublie complètement le boomerang à chaque fois. Allez, crève. Par contre, 3 coeurs contre lui. J'espère récupérer une fée au moins. Ou des coeurs. Ou les deux. Putain. Ah, ça pue la merde. Les Zelda, de toute façon, le sert crevé là. J'ai 3 coeurs. Hein. Je pourrais rien faire contre lui. C'est vous que j'attendais. Je me réjouissais à la pensée de faire disparaître Zelda sous vos yeux. La voix qui est déjà défoncée. Assistez au dernier moment de la princesse Zelda. Je meurs comme une reine doit mourir. Oh, oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal, oh, ça fait mal. Eh oui. Maintenant, le sceau des sept sages est enfin rompu. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la puissance démoniaque contrôle ce territoire. Après tout, le héros légendaire ne peut nous vaincre. Nous, la tribu des démons, quand nous sommes armés du pouvoir d'or. Bon, à la prochaine. Voilà, slash TP. Ah, true story. Sérieusement, vous voulez vraiment vous faire aussi, hein? C'est avec beaucoup de joie que je vous contenterai. Voilà, je peux lui renvoyer le pouvoir. Par contre, j'ai juste fait gaffe vu que j'ai pas de fée. Ce serait con de crever. Donc, le taper ne sert à rien directement. Voilà, par exemple, ça, ça sert à rien. Ça fait. En gros, ouais, ça va être que ça la phase. Voilà, bouffe. En gros, je vais l'avoir avec ses propres sorts. C'est pas moi qui vais le frapper au final. Tum, 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 tum. Oh le bête. Je vais crever. Comme là, les parties de tennis. Oh la pute. J'aurais pu l'avoir là. Ok, quand il se met là, c'est un éclair. Ça fait deux fois ça, je suis pas sûr que ça va être systématiquement ça. Mais si se met là, c'est un éclair. Bah, tu vois, je vais me prendre un éclair dans la gueule. Je vais me prendre un éclair dans la gueule, mais je vais rien comprendre. Allô. Mon roulou. Mais non! Mais j'ai. J'étais. Putain, j'étais droit devant lui, tu te fous de ma gueule le jeu. Bouf. Mmh, bien joué! Digne du héros que vous êtes. Mais je n'ai pas l'intention de me faire vaincre. Je vais vous entraîner dans le monde des ténèbres. Hey, salaud, 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 salaud. Ouais, ouais. Ouais. Zoï, c'est moi. Ça sera là. Je communique avec toi à travers le vide, grâce à la télépathie. L'endroit où tu te trouves était la Terre d'Or. Il y a pyramide. Mais une puissance diabolique l'a transformée en monde des ténèbres. Le sorcier a forcé le sceau des sages et a ouvert une brèche pour relier le monde des ténèbres et ce monde à l'entrée du château d'Hyrule. Pour sauver ce monde de la lumière, tu dois reconquérir le pouvoir d'or. Tu dois aussi sauver les sept jeunes filles qu'Aghanim a envoyées dans le monde des ténèbres. Étant de la même lignée que les sages, elles ont des pouvoirs qui t'aideront sûrement.
Les jeunes filles sont enfermées dans des donjons cachés, pleins de diaboliques créatures et de trappes dangereuses. Va au palais des ténèbres, Zoï, t'es mon seul espoir. Donne vie à mon rêve, je t'en supplie. Pourquoi vous parlez avec cette voix? J'en sais rien, c'est juste pour me donner un air cool. Et on va arrêter là. On va complètement arrêter là. Des jeunes filles dans le donjon? Oui, oui. Vivre dans un donjon. Vivre dans un donjon. C'est difficile pour une fille de 11 ans qui a la pneumonie. Alors, la ref, je vais me faire strike cette vidéo juste pour ça. Enfin bref, on arrête là, c'est fini. On a fait la première partie de Zelda Link to the Past. On va de suite arrêter, sauvegarder et quitter. Voilà, on arrête, on change de scène. Et on va y aller. Merci YouTube, salut la VOD, tout ça. Et puis bah, tout simplement, on se retrouve pour le prochain live. À la prochaine.